Coucou les chamis, voici Foxy. Elle est rentrée à la maison. Tu veux dire un petit coucou, Foxy? Coucou les chamis. Alors, pour vous expliquer pourquoi est-ce que Foxy a le cône de la honte sur sa tête, c'est parce que aujourd'hui Foxy est allée chez le vétérinaire. Qu'est-ce que t'as reçu, Foxy? On m'a donné une petite piqûre d'antibiotiques et on m'a prescrit ce con de la honte pour pas que je me liche la patte. Exactement, Foxy. Donc, ils lui ont prescrit une piqûre d'antibiotiques pour pas que ça lui fasse trop mal. Nous lui avons prescrit aussi le con de la honte, comme vous pouvez voir juste ici, pour pas que liche chapelet. Mais sauf qu'il faut quand même que Foxy, elle continue à prendre ses antibiotiques, parce que hier, il faut que je vous explique, alors qu'on a voulu essayer d'attraper Foxy pour lui mettre son médicament qu'on doit appliquer sur sa plaie 2 à 3 fois par jour, le temps qu'elle se rapetisse complètement, eh bien, madame, sa plaie, elle a saigné, figurez-vous. Ben oui, elle a saigné. Et heureusement qu'on a trouvé ce qui clochait juste à temps. Parce que, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais bon, c'est que on s'est rendu compte il y a plusieurs temps que Foxy a senti mauvais. Donc on voulait essayer de trouver c'était quoi qui faisait en sorte que Foxy sentait mauvais. Et bien finalement, elle ne sentait pas bonne. Tout simplement parce que son collier s'était dédoublé et en voulant l'enlever toute seule comme une grande, sa patte s'est comme coupée en fait. Donc voilà la version brève de l'histoire. Tu dis un petit bye-bye aux abonnés? Bye-bye les chabis! Bye les chabis! On se revoit dans une nouvelle vidéo!